Salut tout le monde, c'est Père Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Pause Père Gamer. J'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle semaine, c'est parti. Alors, nous allons commencer par le planning, comme chaque semaine. Alors, lundi, vous allez avoir Sword Art Online Fatal Bullet. Mardi, vous allez avoir Assassin's Creed Rogue et God of War. Mercredi, un épisode de Zelda Breath of the Wild. Jeudi, un épisode de Assassin's Creed Rogue. Vendredi, un épisode de Zelda Breath of the Wild et Nanatsu no Taizai. Samedi, un épisode de Sword Art Online Fatal Bullet. Et dimanche, Nanatsu no Taizai et God of War aussi. Donc voilà pour le planning. Alors l'avancée, elle se paye. Alors d'abord, je voudrais revenir sur le sujet des lives. Alors vous savez, là les amis, nous sommes en début de semaine du mois de juin. Donc en fait, voilà le problème. Je ne peux pas faire de live farm. En fait, je m'en sens pas l'envie en fait de faire les lives là ce samedi à chaque fois. Pourquoi? Parce que le problème c'est que je dois réviser pour le bac et j'ai la tête ailleurs, surtout au sujet du Parcoursup, parce que je ne sais toujours pas où je vais en fait l'année prochaine, et croyez-moi c'est très stressant justement parce que si j'ai pas d'école et ben je dois travailler. Donc du coup voilà, vous comprendrez que là en ce moment je n'ai pas la tête à faire des lives. Donc pour l'instant samedi il n'y aura pas de live. Donc voilà, tous les samedis pour l'instant, enfin cette semaine pas de live, voilà. Et voilà pourquoi le samedi dernier il n'y a pas eu de live. J'attends les prochaines semaines, hein, ça va certainement se découpiller au sujet de mon avenir, au sujet de la prochaine école que je vais aller. Mais aussi après il y a le bac qui arrive le 18 juin, donc voilà, dans 2 semaines. Voilà, donc c'est pour ça que je choisis de ne pas faire de live. Et donc voilà, donc ça c'est tout pour les lives. Sword Art Online Fatal Bullet, donc je n'ai pas avancé du tout cette semaine. En fait cette semaine je n'ai filmé aucun let's play, il me semble. Peut-être ça c'est un Sud Rogue en début de semaine, mais je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je crois que j'ai filmé 0 vidéo. Ah si, j'aurais filmé un God of War, c'est vrai. God of War j'ai filmé 2 épisodes que je dois monter et tout, mais sinon voilà, donc j'ai pas vraiment avancé dans n'importe lequel. À Saint-Sud Rock, si, un petit peu au niveau de l'annexe, mais voilà, rien de folichon. Mais en gros, voilà, pour dire l'avancée des spades, donc sur Art Online Fatal Bullet, il doit en rester à peu près 4 vidéos, je crois. Donc ce qui est, ça passe. À Saint-Sud Rock, j'ai terminé le principal, donc je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, il me semble. J'ai fini le principal, donc on va s'attaquer à l'annexe. Zelda Breath of the Wild, toujours, j'ai terminé les épreuves basiques, moyennes et extrêmes. Donc cette semaine, vous avez vu. La semaine dernière, vous avez vu l'épreuve basique, et donc cette semaine, vous allez voir l'épreuve moyenne. Nanatsu no Taizai, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà depuis quelques semaines pas d'avancée tant que l'animé n'a pas avancé, justement. Pour pas me faire spoil, enfin pour éviter le spoil, justement, tant que je peux. Voilà, God of War, j'ai avancé, donc je suis à 4 vidéos, je crois, il me semble. Rogue, pareil. Rogue, ça doit être à peu près la même chose. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un avancé énorme au niveau des let's play, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour les let's play. Ensuite, un petit truc que je voulais vous parler. Donc cette semaine, la semaine dernière, c'était la semaine de Roland-Garros. Donc c'est notamment grâce à ça que je n'ai pas, filmé le let's play. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Roland-Garros, hein, c'est le truc, c'est un championnat de tennis à Paris, donc je pense que vous connaissez normalement. C'est quelque chose d'incontournable pour chaque lycéen qui passe le bac. À chaque fois, tout le monde regarde Roland-Garros pour réviser le bac. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il tombe tellement bien en fait juste avant le bac. Et voilà, donc du coup j'ai regardé ça, hein, comme la plupart des gens, et voilà, j'aime bien. Hein, j'aime bien le tennis, j'aime bien, mais voilà, je suis pas en cours de l'année, mais je suis que Roland-Garros bizarrement. Voilà, voilou. Ça c'était en divers, après c'est rien passé d'autre. Nous allons passer aux animés les amis, donc voilà, si tu veux pas te faire spoil, regarde en bas dans la description, j'ai marqué à quel moment tu dois passer pour la critique d'un jeu vidéo. Alors au niveau des animés, donc on va commencer tout de suite avec High School DxD. Alors High School DxD, ça aurait été un bon épisode, franchement ils auront fait fort, on n'a qu'à dire. Alors je vais utiliser mon tel hein, pour... Je vais utiliser mon tel pour me rappeler les images. Donc ouais, ils ont fait fort avec un concert de IC justement. C'était vraiment stylé. Enfin, stylé non, mais très marrant. Voilà. C'était vraiment très marrant. On a vu le retour. On a vu les débuts de préparatifs contre le cousin de Rias. Et on a vu aussi un peu le passé de Cyrogue. Donc le combat approche et ça va être très sympa cette deuxième partie de High School DxD.
Voilà, pas plus de choses à dire, mais c'était un épisode que j'ai bien rigolé quand même. C'était sympa. Ensuite, Tokyo Ghoul Re. Donc, Tokyo Ghoul Re, épisode sympathique. Enfin, l'entrée du gourmet. Du coup, le gourmet, enfin, hein, il s'est rétabli. Et donc, du coup, on le voit avec son nouveau caractère design, donc que j'aime plutôt bien. Ça lui va assez bien. Donc, il rencontre Eyes et il veut justement faire sortir Eyes et refaire venir Kaneki, justement. Mais pour l'instant, c'est peine perdue. Mais voilà, c'était un épisode sympa. Hein. Ah, c'était un bon épisode de Tokyo Ghoul. Ensuite, Darling in the Franxx, pas d'épisode de Darling in the Franxx, qu'un spécial que j'ai pas regardé, mais à mon avis, il est pas intéressant. Ensuite, Sao Alternative Gangan Online, alors c'est différent, c'est qu'il y a eu un problème avec l'épisode, donc pas de traduction, donc je pense qu'ils ont fait une traduction vite, assez vite, mais voilà, pas de traduction pour l'instant, donc j'ai pas regardé. Lady Layton, alors j'ai regardé, alors Lady Layton, cet épisode 7, justement. Au sujet du super-héros Ratman. Alors c'est un épisode qui prend exactement une enquête de Lady Layton, le jeu en fait. Jeu que vous pouvez retrouver en let's play sur ma chaîne si vous voulez. C'était un jeu bien sympathique même si j'ai eu du mal à accrocher au début. Hein. Franchement vous verrez mon changement d'humeur au début, c'est assez marrant. C'est qu'au début je n'aimais pas trop le jeu. Enfin au début ça va, je découvre. Milieu j'aimais pas trop le jeu, voilà. Un peu moins de plaisir et vers la fin là j'ai vraiment totalement adhéré au jeu. Bah, donc du coup sur Ratman, donc... Énigme que j'avais déjà vu, dommage, c'est du recyclage. Hein, c'est énigme que tout le monde a vu, ceux-là qui ont joué au jeu, justement, tout le monde la connaissait, donc voilà. Épisode 7, pas intéressant pour ceux-là qui ont vu le jeu. Voilà. Ensuite, Shokugeki no Soma. Alors, épisode assez intéressant parce que ça parle du passé de Joichiro Saiba, justement, et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un épisode que je voulais voir, justement. Donc, on voit le passé du père de Soma et on voit comment il était dans l'élite, en gros, comment il était le deuxième siège de Totsuki, comment il a fait connaître Totsuki à mort. On a aussi appris d'un nouveau championnat, le Blue, justement. Tout nouveau championnat donc qui apparemment réunit les meilleurs espoirs de cuisine, les meilleurs cuisiniers et les meilleurs jeunes cuisiniers, voilà. Et Joichiro l'a fait deux fois, après la troisième ça aurait été l'overdose malheureusement. Mais du coup, ouais, franchement, l'un des meilleurs épisodes de cette saison de Soma parce que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, on a appris que Joichiro c'est un génie, mais ça on le sait très bien que c'est un génie de la cuisine, hein, clairement. Mais voilà, franchement, ça aurait été un épisode très très sympa de ce Soma, de ce Shokugeki no Soma. J'attends la suite avec impatience, mais voilà, franchement, sympa. Très très bon épisode. De cette saison 3, c'est, je sais pas, je me rappelle plus si c'est le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs, ça c'est sûr. Voilà, agréablement surpris de ce Shokugeki no Soma, hein, parce que le dernier était bien, mais pas aussi bon que celui-là justement. Celui-là était vraiment au-dessus quand même. Il y a eu vraiment, ouais, il y a eu un truc en plus. Donc ensuite, nous allons terminer par le dernier, donc le dernier animé que je regarde, donc un animé vraiment du lourd qui se surpasse chaque semaine, hein, clairement. Voilà, vous le savez, à chaque fois je le dis. Nanatsu no Taizai, donc épisode 20 de cette saison 2. Alors, encore une fois, un très bon épisode, et pour le coup, je n'y attendais pas, la mort de Melodias. Même si j'ai eu quelques petits spoils, je voulais pas y croire, mais si, la mort de Melodias. Estarossa qui élimine Melodias. Pas mal. Ban qui arrive à éliminer Merascula, ça m'a fait plaisir. Parce que Merascula, on commence à en avoir marre. Parce que normalement Escanor l'avait tuée. Et finalement, non, elle n'était pas morte. Donc que Ban l'élimine d'un coup, voilà, ça m'a fait plaisir. Mais par contre, il a rien pu faire Ban contre Estarossa. Estarossa vraiment d'un niveau au-dessus. Donc, alors pour le coup, je me suis fait spoil les deux prochains épisodes. Je sais ce qu'il va avoir, les amis. Même si je ne connais pas l'issue, en fait. Pour ceux qui connaissent, voilà, je ne spoil pas. Mais voilà, je connais à peu près les deux prochains épisodes. Enfin, le prochain, je ne le connais pas, mais celui-là, d'il y a 2 semaines, dans 2 semaines, je le connais. Enfin, je sais qu'est-ce que ça va être le sujet principal. Mais je ne connais pas la fin et comment ça va se dérouler, justement. Donc, c'est ça qui est cool. Voilà, en tout cas un gros épisode pour le coup, donc voilà, Melodias qui meurt, donc on se retrouve un mois plus tard, et tout le monde essaye de sauver Britannia du chaos, parce que là les démons clairement ont pris possession
de Britannia, hein, maintenant que le dragon de la colère est éliminé, le chef des Nanatsu Taizai. Et on a appris aussi que Meliodas faisait partie, était le chef des 10 commandements, justement. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a vu Estarossa il y a 3000 ans, et Estarossa il était tout petit, il faisait la taille de Meliodas. C'est assez drôle maintenant comment il est mastoc et tout. Moi j'aurais cru qu'à. Moi je comprends pas comment il a pu grandir, parce que pour moi un démon ça ne grandit pas justement. Ça reste à sa forme normale, comme Zeldris justement. Zeldris, normalement il a pas grandi. Meliodas par exemple, Meliodas c'est le meilleur exemple. Meliodas, en 3000 ans il a pas changé, c'est toujours le même. Alors qu'Estarossa bizarrement a changé, il a grandi et tout. Je sais pas pourquoi, donc peut-être qu'on va le savoir. Peut-être qu'il a fusionné avec un démon, peut-être, Estarossa. Ce qui est possible. Il a peut-être fusionné avec quelque chose et ce qui l'a rendu plus mastoc. Parce que c'est bizarre. Normalement, Estarossa, logiquement, il aurait dû rester petit à la même taille que Meliodas. Et là, non, il fait deux fois la taille de Meliodas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Donc j'ai hâte de voir les deux prochains épisodes. Franchement, ça va être waouh, du lourd, les amis. Vraiment du très très lourd. Voilà, c'est tout pour les animés, les amis. Donc, nous sommes actuellement le 4 juin. 4 juin. Et qu'est-ce que ça veut dire, les amis, le 4 juin? Eh ben, si je me trompe pas, alors je regarde vite fait. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. On en reparlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est l'I3, les amis. L'I3, la semaine prochaine. Hâte de voir. Hâte de voir ça. Ces conférences que je vais suivre, clairement, et vous en parler. Tout en détail, mais je parlerai la semaine prochaine de mes attentes de l'E3, donc ce que j'attends. Il y a quelques petites choses que j'attends. Voilà. Voilà. Mais du coup, nous allons terminer cette pause préliminaire, les amis, avec une critique d'un jeu vidéo, comme d'hab. Alors, c'est un jeu vidéo qui, je pense qu'on a joué au moins tous une fois durant notre vie. Je pense qu'on a joué au moins une fois à ce jeu. Donc, 42 jeux indémodables. Indémodable, pardon. Donc je l'ai en boîte, voilà, en boîte américaine, mais voilà. 42 jeux indémodables, donc jeu sorti sur Nintendo DS. Je crois que c'est l'un des premiers jeux sortis, ouais, si, 2005-2006. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'un des tout premiers jeux de la DS sorti. Alors c'est un jeu clairement assez nostalgique pour moi, parce que c'est un jeu à chaque fois que je ramenais pour les grandes vacances, quand je partais, quand j'étais dans le Nord, quand je vivais dans le Nord, et pour les vacances d'été, à chaque fois c'était l'un des jeux que je prenais parce qu'on s'amusait bien avec. Donc 42 jeux indémodables, c'est quoi? C'est tout simplement 42 jeux de société, donc des jeux de cartes, des jeux des dames, il y a quoi d'autre? Puissance 5, les shogi, voilà, tous les trucs comme ça. Donc c'est vraiment les 42 jeux de société simples, et c'est vraiment bien qu'un jeu comme ça a été créé, et franchement c'est vraiment un kiff, parce que en plus on peut jouer à 8 jusqu'en local, donc c'est vraiment un jeu extrêmement convivial, un jeu qu'on a joué vraiment beaucoup de fois avec mon frère et mon père, justement, hein. On s'était bien amusé dessus, et voilà, j'avais regardé ma collection vite fait, j'avais vu ce jeu, je me suis dit ah pourquoi pas, allez pourquoi pas vous en parler, mais voilà, je sais que c'est un jeu que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est un jeu extrêmement connu, voilà, qui a fait ses preuves et qui n'a plus de preuves à faire. En point positif, bah c'est le fait de réunir 42 jeux, c'est vraiment génial. Au lieu de prendre 42 jeux comme ça, vous prenez une seule cartouche pour avoir les 42, c'est vraiment génial. Après, le local, vraiment très sympa. Il me semble qu'il faut une seule cartouche pour ce jeu, donc ça c'est un très très bon point, ce que les nouveaux jeux n'ont plus maintenant, malheureusement. Comme par exemple 9 Super Bros 2, gros défaut que ce 9 Super Bros 2, par exemple, qu'il faut deux jeux pour jouer à deux, justement. Là, non. Normalement, il me semble qu'une seule cartouche suffit. Donc, vraiment sympa. Après, on peut jouer en ligne aussi. Bon, là, l'en ligne est mort. Ça, je suis d'accord avec vous. L'en ligne est totalement mort. Mais on pouvait jouer en ligne, donc c'était vraiment cool. Et voilà. Après, voilà, c'est surtout ça, c'est point positif. Après, point négatif, il n'y en a pas vraiment dans ce genre de jeu là. En fait, c'est soit vous aimez ces jeux de société là, soit vous ne les aimez pas. Donc, en gros, tout simplement. Mais c'est un jeu très convivial. Donc, et vu que maintenant une DS, quasiment tout le monde a une DS chez soi, voilà. Autant vous dire que ce jeu est vraiment très fun. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce jeu indémodable, donc je mettrai un bon 16, je pense, un bon 16, donc pourquoi j'enlève 4 points? Tout simplement parce que il n'y a pas tous les jeux, justement, hein. Il y a certains jeux, il y a peut-être, il faut avoir des gens, justement, ensemble, maintenant qu'il n'y a plus en ligne, alors, vous ne pouvez pas jouer tout seul à ce jeu-là,
Mais sinon, ça reste un excellent jeu. Voilà, et en vrai, je mets pas 20. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout pour la post-première mémoire, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà, petite semaine qui est passée vite, pour le coup, avec Roland-Garros, les révisions et tout. Donc, du coup, nous commençons ce mois de juin. Ce mois de juin, donc, moi, un grand stress pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, le bac. Grand stress pour tous les lycéens de terminale. Le bac, Parcoursup. Parcoursup, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la plateforme des étudiants pour leur avenir, pour leur prochaine école. Donc voilà, donc normalement je devrais avoir une réponse cette semaine, normalement, si tout se passe bien. En tout cas, je vous avertirai la semaine prochaine, hein, si je suis libéré de ça. Mais voilà, donc du coup, ça approche vivement d'être libéré. Après, ce sera les vacances d'été, grandes vacances. Bon, je dis pas que j'en ai besoin, honnêtement. Voilà. Dans le cursus scolaire, on est plutôt bien, ça va. Je vais pas m'en plaindre, mais c'est surtout le fait que, voilà, je ne sais pas où aller, mais ça me stresse un peu, mais j'espère que ça ira mieux. Mais voilà, donc du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Révisez bien pour ceux qui ont le bac. Moi, dans mon cas, je vais réviser aussi, hein, même si j'ai déjà entamé la révision depuis longtemps. Voilà, révisez bien. Force à vous. Pour ceux qui ont le boulot, courage. Encore une semaine à passer. Donc du coup, bon courage à vous et à très bonne semaine et à très vite pour la post-programmeur justement et surtout pour le let's play de cette semaine. Bye tout le monde!